les amis, c'est Fut Parfait. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez pas mal de crédit, les amis. Parce que le DCE Grosse Affiche de ce soir, il nous a fait un petit cadeau. Ils nous en ont mis 6 au lieu de 4, donc c'est génial. Comptez environ 55-60 000 crédits pour la totalité de tous les défis. Les joueurs hors coûtent cher, les joueurs hors demandés, de la nationalité, pardon, demandés coûtent cher. Donc en gros, vous allez récupérer un pack à 50K. J'espère qu'on va avoir de la chance là-dedans. Une fois que vous aurez fait ça, enfin, ça c'est le Graal, on va dire, vous récupérez également un pack joueur Electrum Premium, un pack Jumbo Premium Or, un pack joueur Electrum Prime, un pack joueur Premium Or, un pack joueur Electrum Rare et un pack Mega. Donc ça reste correct. Honnêtement, ils ne sont pas foutus de notre gueule. Certes, il y en a 6, certes, on va galérer, mais ça devrait le faire. Allez, on va commencer par Serbie, Norvège. Pour ce défi-là, il fallait un joueur serbe ou norvégien. Voilà, vous prenez qui vous voulez, vous voyez, moi j'ai mis là. Vous le faites comme vous le sentez, soit serbe, soit norvégien. 4 championnats minimum. Donc en gros, je suis parti chercher un coréen qui joue au Japon, un autre coréen qui joue au Japon, mais là vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre juste 2 coréens qui jouent en Corée, ça fonctionne très bien. 3 joueurs de même club maximum. Une générale à 75, un collectif à 70, vous voyez, j'ai 2 joueurs paquets, vous serez à 72, on est bon. Comptez 200 pour les 4 joueurs là, donc ça fait 800, et après, bon, ça je les ai paquets, mais c'est du 500 crédit environ, vous voyez, 550, lui un peu plus cher, mais après ça reste correct, 500, 500. Donc on va faire une moyenne à 500, il y en a 2, 4, 6, il y en a 7, 7 joueurs à 500, ça fait 3500 crédits. Plus les 800, ça fait 4300 crédits. Je vais juste le noter, histoire d'être sûr. Donc, 4300 crédits pour ce défi-là. On est plutôt bon. Ok, le pack n'est pas fou, mais ça reste correct malgré tout. Allez, donc j'espère que vous avez compris. Là, vous prenez qui vous voulez mettre en argent, comme ça, vous avez la note. Voilà, vous faites, moi j'ai fait avec des joueurs coréens, vous faites ça avec les joueurs que vous voulez. Allez, on commence avec Jong Song Ryong, Rafael Carioca ou n'importe quel joueur du Mexique. Il faut juste une note à peu près correcte. Choi Young Jun, Kim Min Tae. Là, vous prenez qui vous voulez. Tobias Lauritsen, du moment où il est norvégien ou je ne sais plus quelle nationalité demander. Fernando Goriaran, Guido Pizarro. Carlos Rodriguez, Jonathan Dos Santos, José Juan Macias, et on termine avec Henri Martin. On soumet l'équipe et on va passer au deuxième défi, les amis. Celui-là, vous allez voir, à part le dernier, honnêtement, à part les deux derniers, ils sont un peu plus chiants et surtout un peu plus chers, mais sinon, ça reste correct. Le deuxième défi, les amis, République Tchèque, Suisse. Il fallait un joueur de République Tchèque ou de Suisse, j'ai pris lui, donc en vrai, là c'est que des joueurs paquets, parce que j'ai pété un câble, j'ai acheté tous les joueurs en doublon, du coup bref, c'est un peu chiant. Donc un joueur tchèque ou suisse, vous mettez qui vous voulez, ça fonctionnera quoi qu'il arrive. 4 pays minimum, 4 joueurs de même championnat minimum, une autre générale à 77, un collectif à 75, donc au niveau du collectif, vous voyez, j'ai 11 joueurs paquets, donc vous serez à 78 au lieu de 78 au lieu de 75, et en gros vous faites tout du même championnat, vous allez voir, ça coûte à peu près 700-800 crédits par joueur, il y en a 11, ça fait 8800 crédits tout simplement. Donc championnat première ligue, après bien sûr vous pouvez le faire avec le championnat que vous voulez, bien entendu. Moi j'ai juste j'avais profité pour vider mon club, voilà, j'en ai acheté au moins sur les 10, j'ai dû en acheter au moins 6 en doublant, du coup j'en ai eu marre et j'ai pris les joueurs de mon club. Allez, on commence avec Tom Eaton, Harry Wintz, Isaac Hayden, Antonin Barak, Mohamed Elneny, Pascal Gros. Bien sûr, si lui est trop cher vu qu'il faut des Allemands, vous mettez n'importe qui. Vraiment là, vous prenez les joueurs qu'il y a, vous prenez quelques joueurs à 78-79 et ça fonctionnera très bien. Alex Iwobi, Ademola Lukman, Gylfi Sigurdsson, Salomon Rondon, et on termine avec Kelechi Iheanacho. Je vais juste changer à
la place de lui, je vais pas prendre lui parce que lui je l'ai mis dans un autre SBC, je viens de percuter donc pour pas aller le rechercher. On va pas se prendre la tête, on va mettre un belge, on va mettre un anglais, est-ce que ça passe là, je suis toujours en tête, donc c'est parfait. Voilà, donc j'ai mis pour info Josh Brownhill. On soumet l'équipe et on passe au troisième défi les amis. Belgique, Pays-Bas. Là aussi ça commence à se compliquer, mais ça reste correct. Donc Belgique, Pays-Bas, pour ce défi là, il fallait deux joueurs de Belgique ou du Pays-Bas. Donc je suis allé chercher deux joueurs des Pays-Bas qui jouent en Italie. Voilà, tout simplement. Qui jouent en Serie A. Donc je les ai payés 800, je crois, voilà, 750. Et lui, premier détenteur. Mais il est au même prix. 5 clubs minimum, 4 championnats maximum. J'ai tout fait de Serie A. Comme ça, au moins, on est tranquille. J'ai juste rajouté lui en 82 et lui en 81 pour faire gonfler la note à 78. Sinon, vous prenez honnêtement qui vous voulez. Il n'y a aucun problème là-dessus. Bien sûr, là c'est pareil, j'ai 10 joueurs, 9 joueurs paquets, donc vous serez à 77 au lieu de 75 pour le collectif. Voilà, c'est vraiment pour le défenseur central, vous pouvez prendre n'importe quel défenseur central qui joue en Serie A. Allez, c'est parti. On commence avec Ciprian Tatarusanu, Dominique Livakovic, Stéphane Radu, Amadou Diawara, Ivan Perisic, Milan Badelj, Jerdy Schouten, Moussa Baro, Kevin Strootman, Tammy Abraham et on termine avec Jean-Pierre Ensaim. Les amis, à part les décès, enfin à part lui qui coûte 1004, lui qui coûte 1002, ça fait 2006. Tous les autres, les amis, à part le défenseur, on va dire 1000, ça fait 2006, ça fait 3006. Les 3 et 3, 6 et 8 joueurs qui restent, comptez 700 crédits, donc ça fait 4002. On est sur du 700, c'est correct. Allez, on va revenir à 800, comme ça on se prend pas la tête. 8 x 8,64, ça fait 6004. On est sur du 9007 pour ce défi là. On soumet l'équipe, on passe au quatrième défi, Croatie, France. Et là, c'est pareil, vous allez voir, on fait comme on peut, mais là, c'est pareil, on est parti sur un championnat un peu mixte. Vous voyez, il fallait deux joueurs croates ou français. J'ai mis deux joueurs français qui jouent en première ligue. 4 pays minimum, 4 joueurs d'un même championnat maximum. Un joueur rare, une autre générale à 79, un collectif à 80. Vous voyez, j'ai 3 joueurs paquets, donc vous serez à 83. Voilà, que dire, le AG, les 2 MC et BU, première ligue. MD, MC, DD, championnat japonais. Le gardien, les 2 DC et le DG, championnat turc. Donc voilà, là par contre c'est pareil, ça coûte cher. Bon, lui je l'ai en premier détenteur, mais lui c'est à peu près le même prix, 1003. Donc vous comptez 1003 et 1003, ça fait 2006. Lui ça fait 3006. 3006, lui ça va, il est à 600, ça fait 4100. 4100, 4100, 5000, 6000, 6005, 7008, 8008, 9100, 10006. Et lui, c'est du 1000 crédits, donc du 11600 crédits. Vous avez vu, ça commence à augmenter. Allez, on commence, les amis, avec Fernando Muslera, Hiroki Sakai, Marcao, Victor Hugo, Saner Erkin, Andrés Iniesta, Abdoulaye Doucouré, Donny Van de Beek, David Moberg Carlson, Neil Mopey. Et on termine avec Christian Pulisic. On soumet l'équipe et on passe au cinquième défi. C'est Espagne-Portugal, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, Espagne-Portugal. Et là, vous allez voir, ça commence à devenir critique. Il faut quelques joueurs dans votre club, histoire de limiter la casse. Mais il fallait un joueur espagnol, un joueur portugais. J'ai 3 championnats minimum. 2 joueurs rares minimum, une autre générale à 80, un collectif à 80. Là c'est pareil, j'ai pas mal de joueurs paquets, 4 joueurs paquets. Donc vous serez à 88, on est encore large. Que dire, je suis parti dans un championnat portugais avec juste le DG brésilien pour faire le lien avec le MG brésilien et un AT brésilien pour faire le lien également. Voilà, bien sûr un 82 de préférence.
Là, vous pouvez prendre Marcello si vous le souhaitez, mais en tout cas, c'est les prix. Et on est sur du 11 000 crédits environ. Allez, c'est parti, on commence avec Odysseas Vlachodimos, Wilson Manafa, Luis Neto, Sebastian Coates, Ismaili, Pablo Sarabia, Adel Tarabt, Julian Weigel. Là c'est pareil, si vous ne voulez pas mettre Weigel, vous pouvez mettre n'importe quel autre milieu MDC, MC, MOC du championnat de Liga NOS, ça fonctionnera également. Everton, Mehdi Taremi, et on termine avec Anderson Talisca. Donc on est sur du 12 000 crédits les amis pour ce défi là. Et on passe du coup à Italie, Allemagne, c'est le dernier, celui-là il coûte assez cher vraiment pour faire pour réunir toutes les conditions, on va dire que c'est vachement compliqué et c'est surtout vachement plus cher que les autres. Donc Italie, Allemagne, ouf, j'ai perdu un joueur. Qui est-ce, j'ai perdu un joueur. Hop, on va essayer de le faire comme ça. Championnat, Serie A. Je crois que si je mets lui, on est bon. On a 88, 1, 2, 3. Voilà, on est bon. Donc j'ai 3 joueurs paquets, donc vous, ce sera 85 tout pile. Il fallait un joueur italien, il est là. Il fallait un joueur allemand, il est là. 5 clubs minimum, 3 joueurs rares minimum, une note générale à 81, un collectif à 85. Je suis parti sur du championnat allemand avec des joueurs de Dortmund. Et je suis parti sur le championnat italien avec des joueurs de l'Atalanta Bergame principalement et un peu des Italiens pour compenser le tout. Les amis, ce défi là, accrochez-vous bien, il coûte quand même assez cher. Il coûte dans les 14 000 crédits. Les défenseurs centraux, là, vous allez le voir avec lui, rien que lui 2004 pour une note à 80, c'est ouf. Même lui, je l'ai payé assez cher, 2000. Après le reste, ça passe. Lui, je sais que j'ai payé cher aussi, voilà, 1007. Donc voilà, ça reste quand même très cher. Allez, c'est parti, on commence avec Salvatore Sirigu, Raphaël Toloi, José Luis Palomino, Francesco Acerbi, Hans Attebauer, Julian Brandt, Lars Stindl, Felipe Anderson, Davide Zappacosta, Daniel Malen. Et on termine avec Thorgan Hazard. On est sur du 14 200 crédits, les amis, environ. Donc si je fais le calcul, on est à peu près à ce que je vous ai annoncé, je pense. 4 300 pour le premier, 8 800 pour le deuxième, 9 700 pour le troisième, 11 600 pour le quatrième, 12 000 pour le cinquième et 14 200. On est à 60 600 crédits exactement. Voilà, en espérant que ça augmente pas plus. Allez, on soumet l'équipe, on va espérer se refaire dans les packs. Il y en a 7 beaux packs, honnêtement ils sont pas foutus de notre gueule, vraiment. Donc c'est parti, on va les faire dans l'ordre. Pack Jumbo Premium pour commencer. Ok, on a une petite anime, il est portugais, il est athée, c'est João Félix. Ok. Au club, un pack contrat, on s'en fout complet, hop, hop, et ça on dégage. On verra ça plus tard. Je l'ai fait dans l'ordre, je garde juste le pack méga et quoi qu'on a, quoi là, pack méga, bon, celui-là bien entendu, on le dégage. Voilà, on a un pack premium mélangé, je crois. Pack joueur Electrum Premium, on va se faire celui-là. Après, on a le Prime et le Rare, donc on va se faire les 3 Electrum. On n'a pas d'anime, donc on skip. Hop. On en prend ça sur les transferts. Pour l'instant, on ne se rembourse pas, bien entendu, à mon avis, à moins d'avoir un tot. Sinon, vous ne vous rembourserez pas. Bon, moi, vous le savez. Allez, on continue. Electrum Prime. Petit anime allemand MG. Alors, lui, déjà, il coûte quand même pas mal. Il coûte 3-4 000 crédits, rien que lui. Donc, c'est sympa. Allez, on dégage ça. On continue avec l'Electrum rare. Non, on va faire le pack joueur premium d'abord. On terminera avec le pack méga et le pack à 50k. Donc là, c'est pareil. On a de la merde.
ça au club. Hop. Et on continue. Allons-nous nous rembourser? Oui, non, oui, non. C'est parti. Pack joueur, électrum rare. Il n'en reste plus que 3. Et petit anime également. Anglais, DD. C'est Trippier. C'est pas ouf. Et on continue. Le pack méga. C'est parti. Pack méga rare. C'est mon compte, les amis. Donc si j'ai vraiment un beau joueur, je serai content. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Witzel. Génial. Neymar derrière. Livakovic. Ok. Allez, 1000 crédits. Hop, hop. Et allez, on termine avec le pack à 50k, les amis. J'espère vraiment qu'on va se rembourser dans ce pack-là. On va le savoir de suite. Oui, non, et... Bon, c'est une grosse anime. Anglais, Harry Kane. Ouais, je crois que lui nous sauve un peu. On va voir ça. Harry Kane, c'est 24 000 crédits. Il y a lui qui peut nous sauver un peu. 3-4 000 crédits, ouais. Il y a lui également. Ouais. Ben, j'ai envie de vous dire, on n'est pas trop perdant. Je sais pas si on est gagnant réellement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant les amis, prenez bien soin de vous. Ciao et merci.